Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel avec un jeu qui me vient des éditions Passe-Temps et qui s'intitule Morphologie à la dérive. Vous avez un plateau à double face. Le premier côté vous permettra de travailler 5 habilités de morphologie dérivationnelle à la fois, alors que celui-ci vous permettra de cibler celle que vous souhaitez travailler. Je prends le côté A pour vous montrer du coup toutes les cartes. Donc avec celui-ci, vous voyez qu'il y a différentes pastilles de couleurs sur le plateau qui correspondent chacune à un paquet de cartes. Le principe est très simple, les joueurs déposent leur bateau sur cette case et puis vont réaliser tout un tour dans la mer. À chaque fois que vous arrivez sur une pastille, évidemment vous prenez une carte de la couleur correspondante. Si la réponse est correcte, vous pouvez relancer le dé pour avancer votre pion. Et si par contre elle n'est pas bonne, alors à ce moment-là, vous devrez rester sur place. Pour les cartes défi vert, vous allez devoir transformer ici le nom roux en verbe. Vous avez également des cartes avec des verbes et des adjectifs. Avec les cartes orange, il va falloir trouver l'intrus. Avec les cartes mauve, il va falloir retrouver la lettre muette. Avec les cartes bleu clair, il va falloir retrouver un mot de la même famille. Et puis avec les cartes bleu turquoise, il va falloir trouver le sens du préfixe ou bien du suffixe. Et si en chemin vous tombez sur un œil, alors il faudra piocher une carte, le savais-tu, et trouver la base du mot souligné. Dans le jeu, vous avez également une fiche aide-mémoire avec tous les préfixes et suffixes ainsi que leur signification et puis quelques exemples de mots. Vous l'aurez donc compris, le premier bateau qui arrive à faire tout le tour et à revenir au port aura donc remporté la partie. Soit vous utilisez toutes les cartes, soit vous utilisez l'autre côté du plateau et vous sélectionnez les cartes avec lesquelles vous souhaitez jouer. Vous trouverez également quelques exercices à télécharger en ligne ainsi qu'une variante que je vous laisserai évidemment découvrir. Voici donc pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation de jeu.